الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الباقين أما بعد. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيب: من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت. Celui qui veut voir comment c'est يوم القيامة qu'il lise, qu'il récite alors sourate التكوير إذا الشمس كورت. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, dans surah al-Takwir, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كبرت. إذا الشمس كبرت, ça veut dire lorsque le soleil sera éteint. إذا الشمس, الشمس c'est le soleil. إذا الشمس كبرت, التكوير c'est lorsque, c'est comme quand on prend un papier, on le replie pour que ça devienne un peu rond et on le jette. Et la chamsu kouwarat ici, ça veut dire le soleil va être éteint. Et la chamsu kouwarat, au jour de l'Qiyama, le soleil sera éteint. Wa idha nujum kadrat, lorsque les étoiles vont être pareilles, dispersées, ça va être éteint, elles vont être éteintes, les étoiles dispersées, éparpillées comme la poussière. Ça va exploser, ça va devenir comme de la poussière. Wa idha al-jibalu suyyirat, les montagnes vont disparaître. Les montagnes vont disparaître et ça va exploser et ça va être aussi comme dans un autre verset, qu'al-rihl al-manfush, comme si c'était du coton. Le coton frappé, léger, ça devient comme ça et ça va disparaître de cette façon. Les Arabes qui connaissent ce que c'est les chameaux et les chamelles, pour eux, la richesse, le bien qu'ils aimaient le plus, c'était une chamelle pleine. Ça veut dire avec son bébé. Et alors, ça c'était pour eux une richesse inestimable. Et bien ce jour-là, personne ne regardera l'Aïchard. Lorsque les chamelles pleines vont être délaissées, personne ne s'y intéressera. Parce que c'est un jour, comme Allah Ta'ala, il le dit dans un autre verset. Seulement c'est le châtiment de Rabbul Alameen qui est terrible. Allah Ta'ala dit yawmun yaj'alu al-wildana shima. C'est un jour qui fait que les petits, les enfants en bas âge, ils deviennent comme les vieillards avec les cheveux blancs. Tellement c'est un jour terrible. Wa idha al-wuhush hushirat, au jour de l'Qiyama, même les animaux vont être rassemblés. Même les animaux, ils vont être rassemblés. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il voit deux animaux se battre. Il dit à un sahabi avec lui, tu sais pourquoi ils se battent? Il lui dit non. Il lui dit, mais Allah, il le sait. Toi, tu ne sais pas, mais Allah, lui, il le sait. Et demain, yawm al-qiyam, Allah Ta'ala jugera entre les deux. Et Allah Ta'ala rendra à la victime des coups, les coups qu'elle a donnés à l'animal qu'il a frappé. Même cela, il dit à Sayyidina Zubayr رضي الله تعالى عنه, et lui dit يوم القيامة, toute injustice donnée à quelqu'un, même une parole, même une gifle, même un coup de poing, même une bousculade, يوم القيامة, la personne va en être jugée, va en être questionnée. Il lui dit à Rasulallah, Allah Ta'ala va nous représenter
nous faire revoir même les coups, même une gifle, même un coup de poing, même une parole, il lui dit même cela, ça va être présenté devant vous. Vous allez le revoir, Yawm al-Qiyamah. Et Allah Ta'ala il dira, je ne fais entrer dans Al-Jannah, les gens de Al-Jannah, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de victimes. Toute victime qui réclame son droit aura retrouvé son droit ce jour-là. Allah Ta'ala, il est Al-Malik, il est Al-Dayyan. Al-Malik, c'est lui le roi, c'est lui le Seigneur. Al-Dayyan, ça veut dire, il va rendre les comptes à qui? C'est pas lui qui rend les comptes, il va faire rendre les comptes des uns aux autres. Et il va juger entre les gens et rendra le droit à qui? Le droit de toute personne qui avait été ardemment en train de faire du tort. Même avec une mauvaise parole, même avec un clin d'œil de badinage et de moquerie, n'importe. Quiconque a un droit, quiconque a été victime Yawm al-Qiyamah, eh bien il réclame son dû à Rabbul Alamin qui est Al-Malik, qui est Al-Dayyan, eh bien il aura son droit ce jour-là. Wa idha al-wuhush hushrat, même les animaux vont être rassemblés, même pour les animaux, lorsque un animal, il s'est montré fort parce qu'il a des cornes, il donne des coups à l'animal faible qui n'a pas de cornes, eh bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah Ta'ala jugera entre les deux yawm al-qiyamah, et l'animal qui avait été victime des coups, rendra les coups à cet animal fort. Alors si les animaux c'est comme ça, et ça va se présenter devant les bachars. Les bachars, ils vont voir la justice de Allah azza wa jalla. Et alors, qu'est-ce que ça va être? Alors que les animaux ne sont pas responsables de leurs actes. Les animaux n'entreront pas dans Al-Jannah, n'entreront pas dans Jahannam. Et alors celui qui a fait, parce qu'il a prémédité le mal, parce qu'il a été méchant et mauvais, il s'attend à quoi? Aujourd'hui, il peut être content. Il peut ricaner, il peut rire. Il peut s'enorgueillir, y gonfler, se taper l'estomac, comme on dit. Et après, c'est éphémère. Demain, c'est le jugement. Aujourd'hui, fais ton amal. Montre-toi comment tu es aujourd'hui. Celui qui est capable d'opprimer la victime, celui qui est capable avec sa force, ça veut dire qu'il est en train de se montrer comment il est en réalité au fond de lui-même. Et Allah Ta'ala, il le voit. Et ça, c'est un témoignage contre lui, Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, Allah Ta'ala fera témoigner sur la personne ses amal. Et c'est ses amal qui témoigneront est-ce qu'il était bon ou est-ce qu'il était mauvais. Wa idha al-wuhush hushrat. Wa idha al-bihar sujjirat. Et les mers, les océans, deviennent en feu. L'eau de la mer, les océans, on va y voir que des flammes, flammes de feu. Ça, c'est les mers, les océans. Wa idha al-nufus zuwijat. Al-nufus, les âmes. Zuwijat, ça veut dire chaque âme va rejoindre le corps. Tazwij, ça veut dire on va être de paix, deux. C'est ça, tazwij. C'est pourquoi on appelle al-zawj, ça veut dire une paix. Un homme et son épouse, on dit Zawdain. Ça veut dire l'un et l'autre, deux. Et dans le fous de Zawdain, lorsque les âmes vont être rejointes par le corps et le corps rejoint par l'âme. Et aussi, pas seulement ça, on va être rassemblés avec nos pères, avec ceux qui nous ressemblent. Le jour de l'Hashr, le jour du rassemblement, les personnes seront rassemblées avec ceux qui leur ressemblent. C'est ça aussi, il a le nouveau Zuwijat. Et il a le Mahouda Zuwijat. Le Mahouda, c'est la fille enterrée vivante de l'époque de la Jahiliya. Certains enterrer leur fille vivante parce qu'ils ne supportaient pas d'avoir une fille, ils pensaient que c'était une honte d'avoir une fille. Parce que la fille, plus tard, elle
elle va peut-être se marier avec quelqu'un qui n'est pas de la famille. La fille, peut-être, elle va être ceci ou cela, désobéissant. Alors, ils finissaient avec la fille, ils l'enterraient vivant. Mais pas tous, mais quand même, même un ou 10 cas, même si c'est que 50 cas chez les Arabes, une seule victime, ça compte, et c'est quelque chose qui est salissant en réalité. Lorsque la fille enterrée vivante, elle sera interrogée pour quelle faute tu as été tuée. Le jour de l'Qiyama, les souhouf seront déployés. C'est quel souhouf? Ça, c'est les livres des A'mal, les registres des A'mal de tout un chacun. وإذا الصحف نشرت الله سبحانه وتعالى يدرى يوم القيامة على personne tu as fait tu n'as pas fait c'est le moment de l'hisab et à ce moment là la personne va répondre ou parfois la personne va mentir carrément et Allah سبحانه وتعالى fera taire sa bouche et fera témoigner sur lui ses cuisses ses bras ses doigts sa peau. Et bien après on lui dira, parle maintenant. Et là il va commencer à maudire son corps qui témoignera contre lui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les farishtas qui ont tout noté. Et à ce moment-là, on lui dira, Iqra kitabak, lis ton livre. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Ton nafs à toi, ta personne à toi, suffira aujourd'hui. Hasiba, juge contre toi-même. Iqra kitabak, tout est noté. Tes amal, tes intentions, tes propos, tes paroles, tes gestes, tout est noté de Qur'an Kitab. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Wa idha as-suhuf nushirat, ça veut dire les registres des amal, ce qui était noté par les malades. Wa idha as-sama' kushitat, et lorsque le ciel va être arraché, on verra le ciel comment il va être arraché. Wa idha al-jahim su'irat, au moment du mahshar, au moment du rassemblement, Allah Ta'ala montrera Jahannam de loin. Et il ordonnera à certains anges d'amener une partie de Jahannam. Ils tirent Jahannam. Ils tirent cette partie-là avec des chaînes. Et la même, ils l'approchent. Ils vont voir comment c'est en flammes. Et les flammes de Jahannam, tout est noir. Ce n'est pas des feux de flammes rouges ou blancs ou autres. Il n'y a aucune lumière dans Jahannam. وإذا الجحيم سعرت أكتزي الجحيم جهنم وإذا الجنة أزلفت يوسي ورب شاد المؤمنين الجنة وكل فاك إلسر برش الجنة علمت نفس ما أحضرت اسم ولا شك أم سورة كيس كلا ديجا بري pour ce jour là. Aujourd'hui la personne elle oublie, elle fait du temps et elle dort. Aujourd'hui, la personne, elle est inconsciente. La personne, aujourd'hui, elle peut faire du mal, elle peut manquer ses ibadas, la personne, elle peut faire ce qu'elle a envie de faire, mais elle oublie. Sa personne, aujourd'hui, c'est ce qui compte, manger, boire, dormir. Ce qui compte, aujourd'hui, c'est le plaisir. Mais ce jour-là, la personne va regretter si jamais elle avait été parmi les gens injustes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la personne, quand elle va être jugée, il y aura tous les bachars qui vont être jugés. Et alors, pour donner l'exemple, l'un d'entre eux, il va être appelé. On lui donnera son livre pour amal avec sa main droite. Et puis après, on lui donnera un visage blanc et éclairé. Et on mettra sur sa tête une couronne. Avec des perles étincelantes. Et il repart voir ses amis. Ses amis le verront de loin. Ils vont dire Allahumma atina bihada. Et son corps aussi sera agrandi, sera énorme. Comme Sayyidina Adam alayhi salam, 60 coudées à peu près 27 mètres de haut. Les amis, ils le verront de loin, ils diront Allahumma atina bihada. Rapproche-nous celui-là. Et donne baraka dans celui-là. Quand il arrive très près d'eux, il leur dit Abshirou, réjouissez de la bonne nouvelle, réjouissez-vous de la bonne nouvelle, chacun de vous aura la même chose que moi. Parce que,
ils sont rassemblés les uns avec ceux qui leur ressemblent. Et des autres, des gens injustes, mauvais, orgueilleux, mécréants. On en appelle un, et puis après on lui donnera son livre de sa main gauche. Dans d'autres hadiths, on dit de sa main gauche par l'arrière. Nous voilà et voir par l'arrière. On lui a grandi son corps pareil, 60 coudées, comme Adam alayhi salam. Son visage devient noir, obscur. Et on mettra sur sa tête une couronne de feu. Et on lui dit de repartir. Et quand il repart, et en réalité, il va être enchaîné. Il va repartir de loin, ses amis, ils le verront. Ils vont dire, Allahumma la ta'tina bihadha. Ya Rab, on ne veut pas de celui-là. Ya Rab, on ne veut pas de lui. Ne le rapproche pas de nous. Et lui, il se rapproche quand même. Il vient vers eux. Et quand ils le voient de près, ils vont dire, Allahumma akhzi, ya Rab, maudis-le. Et lui, il a dit, Aba'adakumullah, que vous soyez maudits et éloignés, vous aussi chassés. Soyez sûrs, vous allez avoir chacun pareil que moi. Ça, c'est le jour de l'Qiyam. Le jour de l'Qiyam, c'est un jour où chacun retrouvera ses comptes pour de vrai et verra, et les gens verront qui était en réalité. Ce qui était avec une apparence qu'il compte. C'est l'intérieur, c'est le amal qui comptera. Et le amal qui compte, c'est par rapport à dînou l'islam, la sharia de l'habib Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la personne va recevoir son livre de sa main droite, Allah Ta'ala, il le décrit dans sourate Al-Haq. Allah Ta'ala, il dit, وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمْقْرَأُ كِتَابِيَ Il reçoit sa main, par sa main droite, son livre d'amal. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ Celui qui recevra son livre de sa main droite, qu'est-ce qu'il va dire? Il est content. Il dit هَا أُمْقْرَأُ كِتَابِيَ Le voilà en livre, lisez-le. Il dira ça aux gens. Moi je savais que j'allais être jugé. Donc j'ai fait mon amal en sachant très bien que j'allais être jugé. J'ai tout fait pour gagner, alhamdulillah. Moi je savais que j'allais être jugé. Celui-ci, il sera dans Aisha Radia, une vie paisible, puis Jannatin Aliya. Dans un paradis très haut. Les fruits de cet endroit sont à portée de main. De l'autre côté, celui qui va recevoir son livre de sa main gauche, Allah Ta'ala dit, وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ Quant à celui qui va recevoir son livre de sa main gauche, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِهِ Il va dire, oh, j'aurais souhaité ne jamais recevoir mon livre. Voilà ma grima hisabia. J'aurais souhaité ne pas savoir qu'est-ce que ça veut dire un hisab. Ya leïna hakala til qadia. J'aurais souhaité que Al-Mawt qui m'avait pris de la dunya soit le dernier moment et que après c'est fini, totalement fini, définitif. Mais ça, lui-même au moment de Al-Mawt, dans cette dunya, c'est le moment qu'il déteste le plus. Parce que c'est un moment terrible qu'il va vivre. Mais il va aimer le remourir. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي Qu'est-ce qu'il a fait pour moi mon argent, mes richesses et mes moyens هلك عني سلطانيا Mon pouvoir que j'avais, mon pouvoir, mon autorité, les gens qui m'écoutaient tout autour, ça y est, tout ça c'est fini. والعياذ بالله تعالى Voilà, les malaïkas, ils vont l'enchaîner. Et il va être tiré par ses chaînes et il va être jeté en enfer de cette façon-là. Et ça, c'est le cas aussi de l'Mouflis. Il dit à Nabi alayhi salatu wasalam, est-ce que vous savez qui est le faillitaire? Ils ont dit faillitaire, il a fait faillite, il n'a plus d'argent, il a beaucoup de dettes. Il leur a dit non, c'est celui qui va venir avec rosa, namaz, charité, zakat, il a amal. Il a beaucoup d'amal. Seulement, en parallèle, il a frappé celui-ci, il a insulté celui-là.
Il s'est moqué de celui-ci. Il a été injuste avec celui-là. Il a tué celui-ci. Il a fait du mal à l'autre. Quelqu'un qui est-il mauvais envers les gens? Toutes ces victimes, Yom Al-Qiyam, ils vont l'entourer. Yom, il m'a fait du mal. Yom, il m'a fait du tort. Yom, il a fait riba. Yom, il m'a frappé ceci ou cela. Et Allah Ta'ala leur donnera de ses hasanat al-mi. Ces bonnes actions vont aller pour rembourser ses dettes envers ses victimes. Et quand il n'aura plus aucune hasana, plus aucun zawar, les victimes continuent à réclamer leur dû. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il prend de leurs péchés, de leurs mauvaises actions, et il met sur son compte à lui, il dit, ah, ça c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Et il dit, ça c'est à cause de tes injustices envers les gens. Et de cette façon-là, il dit, au farishta, prenez-le et jetez-le dans le jahannam. Wa'iyadu billahi ta'ala wa ta'ala.